Chers collègues. Bien, je suis chercheuse en économie de métier, et donc du coup, je lis souvent mes confrères et consoeurs. Et alors, ça va vous intéresser parce que je vais vous citer deux économistes qui, a priori, dont a priori, vous ne pourrez pas dire qu'ils partagent particulièrement le programme de la NUPES. D'abord, Jean-Hervé Lorenzi, qui, vous le savez, est président du Cercle des économistes. Que dit-il ? Eh bien, il faut ramener dans l'emploi d'abord les 825 000 seniors et ça suffira à sauver le système des retraites. Donc, vous nous faites absolument l'inverse, c'est-à-dire que vous nous pondez une réforme qui va approfondir le chômage, en particulier des jeunes et des seniors. Alors, évidemment, vous nous dites que ça va objectiver la chose à la bonne heure avec un index senior dont on sait que l'utilité est nulle ou quasi nulle. D'ailleurs, je vous le demande, hein, c'est une question, avez-vous une seule étude économique crédible et scientifique qui vient dire que l'index des seniors serait efficace pour changer le comportement des entreprises ? Deuxième économiste, Patrick Artus, économiste en chef de Natixis, comme vous le savez. Je cite... C'est une réforme inefficace. De nombreuses personnes âgées vont se retrouver au chômage. Donc vous voyez, même parmi les économistes qui d'habitude défendent votre réforme, si je peux me permettre l'expression, eh bien ils battent en retraite. Donc décidément, vous n'êtes crédible pour personne.